Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir des piles à combustible à l'état-major enfoui et déposer le sac à dos avec au moins 50% d'énergie restante au deuxième avant-poste des 7 ou au cinquième avant-poste des 7. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir réaliser l'étape numéro 1 du défi qui est d'établir une liaison au deuxième avant-poste des 7 ou au cinquième avant-poste des 7. Ensuite, vous récupérez le sac à dos qui se trouve juste à côté des liaisons. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay, ensuite quand vous avez ce sac à dos, vous allez devoir récupérer des piles à combustible. Donc les piles à combustible se trouvent dans l'état-major enfoui. Donc il y en a un peu partout. Quand vous vous rendez à l'état-major enfoui, vous pouvez remarquer qu'il y a des points d'exclamation sur votre petite carte en haut à droite. Donc vous allez vous diriger vers ces points d'exclamation et ensuite vous trouverez des petites batteries, des petites piles de combustible que vous allez pouvoir récupérer en marchant dessus. Donc vous allez devoir marcher sur deux piles de combustible et ensuite vous allez devoir ramener le sac à dos avec au moins 50% d'énergie restante au deuxième avant-poste ou au cinquième avant-poste. Donc vous retournez là où vous avez été chercher votre sac à dos. Moi je vous conseille le deuxième avant-poste des 7 parce que c'est le plus proche de l'état-major enfoui. En plus vous pouvez prendre un petit bateau pour vous rendre au deuxième avant-poste, donc ça accélère la vitesse de déplacement. Donc vous aurez plus facile à réaliser ce défi. Il faut se dépêcher parce que si votre sac à dos tombe à moins de 50%, vous pouvez voir la jauge sur votre sac à dos derrière votre dos. Donc si elle tombe à moitié, il va falloir récupérer une pile de combustible pour recharger votre sac à dos et retourner au deuxième avant-poste ou au cinquième avant-poste pour déposer le sac. Dès que vous aurez déposé le sac avec 50% d'énergie, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao, peace.